Yeah, tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien, on se retrouve sur GTA en ligne pour une petite vidéo. En fait c'est un abonné qui m'a demandé de faire une vidéo, de présenter mes garages sur GTA. Donc j'ai deux garages, donc je vais présenter mes garages sur GTA. Bien sûr je l'avais déjà fait sur d'autres consoles, mais je l'avais pas fait sur Xbox One, j'ai pas le souvenir. Donc voilà, ici il n'y a pas beaucoup de véhicules parce que j'en ai vendu et tout. Juste deux petites minutes, vous avez vu, j'ai changé de logo sur Twitter, sur Facebook et ma page, ma chaîne YouTube. C'est un nouveau logo, donc c'est un abonné qui me l'a fait, donc merci à toi. Donc c'est un raton laveur si vous avez pas vu, si vous avez pas fait gaffe. Donc voilà, on est dans le garage, donc je vais vous présenter mes véhicules. Donc là-bas, on a un BMX et un VTT. Là, ici, on a la petite motocross Sanchez. Là, on a. Alors, si je dis pas les noms des véhicules, vous inquiétez pas. Hein. La ITT. Ici, on va faire. On va continuer comme ça. Ici, c'est la Marcas Crow. Voilà, elle est jolie celle-là. Donc, donnez des notes en fait sur tous les véhicules. Vous allez voir dans le premier garage. Donc, vous marquez hashtag premier garage et vous marquez le nom de la voiture ou la couleur de la voiture. Comme ça, vous donnez une note sur 10. Donc, sur les véhicules que vous voyez dans les garages. Et après, vous faites hashtag. Deuxième garage, bon là c'est la Akuma blindée. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. La Zanantono couleur noir bleu. Elle est comme ça, elle est classe celle-là. Le véhicule, je pense, je sais pas si je vais le garder, mais c'est le véhicule qu'on vient d'avoir du DLC Haute Finance. C'est le Bravado Campo. En genre de gros van, mais je sais pas si je vais le garder, je pense pas, parce qu'en fait je cherche la thune sur GTA. Et ici c'est mon petit quad que j'aime super fort, et c'est un hot dog blazer. Alors désolé si je le fonce peut-être pas bien, je le custom un peu à fond, celui-là il est vraiment classe, le klaxon et tout. Donc voilà le premier garage, vous pouvez donner des notes sur tous les véhicules que vous voyez dans le premier garage, et on va faire une petite coupure et on va se retrouver dans le deuxième garage. Donc à tout de suite. Donc retournons, on se retrouve pour le deuxième garage. Donc ça se trouve dans le... Et du coup bah voilà, je vais vous montrer mon garage. Donc il y a plusieurs voitures. Donc vous pouvez marquer sur YouTube par exemple hashtag de garage numéro 2. Et comme ça vous me dites lesquels véhicules vous adorez le plus. Donc voilà, là ici on va commencer avec une petite Turismo R. Donc je vais pas dire tous les noms des voitures parce que bah, comme ça vous voyez vous-même et tout. Donc il y a des voitures que je connais pas et je suis pas vraiment très 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 fort en anglais, désolé. Donc là c'est la Jasper, je sais, moi ça doit être ça. Donc là c'est ma voiture que j'aime vraiment. J'ai un petit VTT jaune que vous avez vu aussi là-bas. Là ici j'ai la Batty 801. Donc voilà ma petite moto Batty 801, elle est super belle. Ici, une petite voiture noire et jaune, je la trouve vraiment belle parce qu'elle a vraiment un pot qui dégire quand vous partez avec et tout. À côté, on a la Akuma. Donc, petite moto qui est vraiment pas mal. Et ici, on a un véhicule blindé aussi qui est vraiment assez classe qu'on a eu dans un DLC. Que je trouve vraiment classe ce véhicule. Donc voilà, on a fait le petit tour du garage. Ça a été très vite parce qu'il est petit, donc voilà. Vous pouvez me dire quel véhicule vous avez aimé, et si vous voulez que je présente aussi vos garages, bah dites-moi le en commentaire, il n'y aura pas de souci, moi je pars à présenter vos garages sur Xbox One, bien sûr, je précise. Donc du coup voilà, moi je vous laisse sur la vidéo les amis, et moi je vous dis bon game à tous et ciao bye bye et